Gut morgen alle Yiden, on est aujourd'hui le vendredi 3 Adar Aleph, 5776. L'étude est l'Elui Nishmat Rivka Bat Avraham et l'Irfuat Amram Yona Ben Chana. Et nous sommes au Perek Rishon, Perek Aleph, Mishnah Bet, Kol Shechavti Bishmirato, Ichsharti et Nizko. Ichsharti Bemitzat Nizko, Chavti Betashlumin Ke Hechsher Kol Nizko. Nechassim She'en Bahem Meila, Nechassim Shel Bene Berit. נכסים המיוחדים, ובכל מקום, חוץ מרשות המיוחדת למזיק, רשות הניזק והמזיק, כוח שהזיק, חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. On pourrait décomposer cette Mishnah en quatre parties, quatre enseignements, trois ou quatre enseignements différents. Pour nous faciliter la parole, on va utiliser un jargon talmudiste pour définir trois parties d'une Mishnah. On utilise les termes de Reisha, Metziata, Seifa. Reisha, c'est la première partie, Milashon Rosh. Reisha, Rosh en araméen, ça se dit Reisha. Metziata, Milashon Emtsa, le milieu. Seifa, sauf la fin, la dernière partie. D'accord ? Donc, la Reisha, elle nous enseigne quel est le paramètre, quel est le facteur pour lequel je suis porté responsable des Nézikim. On va déduire de là plusieurs halakhot. La deuxième, la Metziata, la deuxième partie de la Mishnah, va nous enseigner envers qui, à qui, de manière générale, qui, à qui, et Chayav de Nezekin. La troisième partie, on va plus s'intéresser cette fois-ci au lieu, où. En fait, ça nous fait pourquoi, qui et où. C'est les trois questions, la Reisha, Metziata et Saifa. La première partie de la Mishnah, la Reisha, est décomposée en fait en deux phrases. La première phrase nous donne un axiome général. Le paramètre pour lequel je suis porté responsable d'un Nézek, parce que je suis responsable de le garder. C'est le fait que j'ai un devoir de garder mon bien qui cause mon devoir ensuite de payer quand j'ai mal gardé. De là, première déduction, si j'ai gardé comme il faut, je suis pas tour de payer, je suis dispensé de payer. Parce que j'ai gardé, mon devoir à moi était de garder. La Mishnah nous dit en une phrase, « Kol shechavti bishmirato » tout dommage occasionné. Non, tout endommageur qui m'impose de le garder, de le surveiller. Kol shechavti shitchayavti shani chayav, que j'ai l'obligation de le garder. Irsharti et nizko, je suis porté responsable d'avoir occasionné son ézek, donc obligé de payer. Ça, c'est la première partie de la Reisha. La deuxième partie de la Reisha est un peu plus délicate. Pour l'expliquer, on va introduire deux notions. La première notion, c'est deux formes de bord inclus dans la Torah. Le bord de 9 tfachim et le bord de 10 tfachim. 9 tfachim, c'est 9 points. Ça fait l'équivalent d'une dizaine de centimètres, 9,8. Et donc 9 tfachim, ça fait donc 90 cm. Et 10 tfachim, ça fait 1 mètre. Quelle est la différence? Nos maîtres ont évalué, la Torah en fait a dévoilé, qu'il y a qu'un taureau ou tout animal qui tombe dans un puits et meurt, on considère que c'est le puits qui l'a tué que si il y avait un puits profond de 10 tfachim, de 10 poignées, de 1 mètre. Par contre, s'il y avait juste 50 cm et qu'un taureau est tombé dedans et mort, je vais peut-être provoquer le fait que le taureau meure, mais en tout cas, c'est pas moi qui l'ai tué, c'est lui qui est mort tout seul. C'est une règle. Jusqu'à 9 tfachim et à partir de 10 tfachim. D'accord? C'est deux formes de puits. La deuxième introduction qu'il faut expliquer, c'est expliciter, c'est l'interaction entre deux personnes qui provoquent un ézek. On va prendre un cas, par exemple, mon voisin allume un feu et le néglige, part et laisse le feu tout seul en plein air. Forcément, il y a du vent, il risque de se propager. Et qu'est-ce que moi je fais? Je viens et je rajoute dessus encore plus de combustible jusqu'à ce que le feu s'amplifie et se propage. Qui est responsable? Il y a à ce sujet une petite marque-loquette entre Rachid et Tosfot, mais en tout cas, on va retenir la vie de Tosfot. Tosfot le prouve bien dans le Perek Rishon du Baba Kama, que les deux sont chayav, parce que chacun a laissé un potentiel de mazik. Lui a fait un feu, était chayav lishmor, comme la Mishnah nous l'enseigne. Il avait un devoir de le surveiller. Et moi, puisque moi aussi j'ai rajouté du feu,
j'ai mis un feu conséquent, moi aussi. Alors moi aussi j'ai eu un chiouf de le garder, donc on sera tous les deux chayav. Par contre, si lui laisse juste une braise, or, une braise, plus le temps passe, plus elle s'éteint. Elle est en route pour s'éteindre, elle n'est pas censée se raviver, sauf si y a un vent très fort. Donc c'est un vent en particulier. Donc, en temps normal, il n'y a pas de vent trop violent qui vont raviver une braise. Donc, si moi je viens et je ravive cette braise, alors là on va considérer que c'est moi, tout seul, qui était marchir le nézek, qui a occasionné le nézek, le dommage. D'accord? Ça c'est les deux introductions. Maintenant, on va faire une interaction entre ces deux halakhot. Ces deux introductions pour en déduire le cas de la Mishnah. Si mon voisin creuse un puits de 9 tefachim, et que moi je viens et je rajoute un tout petit tefach, je vais finalement creuser 10 cm, et qu'un taureau vient et meurt, et bien la Mishnah nous dit, sache que même si tu as fait la dernière petite cerise sur le gâteau, le dernier petit coup de pelle qui a transformé le puits d'un puits qui cause un dommage à un puits qui est capable de tuer, et ben c'est le dernier qui sera porté responsable, même si finalement il a creusé qu'un seul tefar, parce que c'est lui qui était marchir miktsat nezek. Il a provoqué, il a occasionné, même un petit peu, par son petit peu, il a occasionné tout le nezek. D'accord? C'est la Mishnah qui l'enseigne. Irshalti be miktsat nizko, même si j'étais marchir, j'ai provoqué miktsat nizko, un petit peu du nezek, chalti betashlumin ke hirsher kol nizko. Je suis devenu responsable de régler, de payer Tachlomin, le règlement, Keherscher Kolnisko, comme si j'avais moi occasionné tout le Nézek. C'est clair? Donc ça c'était la première partie, la Reisha de la Mishnah. Kol Shechavti Bishmirato, parce que je suis responsable de surveiller, Hirshartet Nisko, je suis responsable de régler, Hirshartet Bemiksat Nisko, Chavti Betachlomin Keherscher Kolnisko, et même si j'ai finalement fait qu'un tout petit peu de... J'ai juste fait un tout petit peu le nézek, mais c'est moi que, à partir de maintenant, c'est moi qui l'ai rendu apte à causer un dommage. Alors, Khafti Betachlomin Kercher Kolnisko, je suis moi seul porté responsable si le taureau meurt, bien sûr. Parce que s'il y a un autre taureau qui tombe et qui se casse une jambe, on sera tous les deux responsables, parce que chacun a finalement participé à cette patte cassée. D'accord? Voilà pour la Risha. La Metsiata, la deuxième partie de la Mishnah, va s'intéresser à Qui, attention, on parle de qui est chayav de payer et envers qui je suis chayav de payer. Trois cas. Le cas, on va aller prendre, pas dans l'ordre de la Mishnah, on va le prendre dans l'ordre de logique, qui est du moins chidouche, du moins étonnant, plus étonnant. Le premier cas, c'est le cas du Hefker. Le deuxième cas, c'est le Hekvesh. Le troisième cas, c'est le Nehersim du Goy. Efker, ça signifie un taureau qui appartient à personne, on va appeler ça un taureau errant. Le deuxième cas, c'est le premier de la Mishnah, c'est le cas de Meïla du Hekdesh, chez Enbaim Meïla, taureau du Hekdesh. Et le cas du milieu, en fait, c'est Nechassim Shel Bnei Berit, c'est pour exclure les Nechassim du Goy, des biens qui appartiennent à un Goy. Il va falloir à chaque fois définir ce qu'on parle de qui est dispensé ou bien envers qui je suis dispensé. Enfin, on va prendre le premier cas déjà, le cas du Efker. Nechassim Amiyuchadim, que la Mishnah appelle ça Nechassim Amiyuchadim, c'est-à-dire je suis chayav de payer que si c'est un Nechassim Amiyuchadim qui ont un propriétaire. Par contre, un taureau qui appartient au Efker, un taureau errant, on n'est pas taureau. Qui? Bien évidemment, si je cause un dommage à un taureau Efker qui appartient à personne, je ne suis pas taureau, c'est normal, il n'y a personne qui va venir me réclamer d'argent. Mais il y a même aussi un fiduche supplémentaire. C'est que si c'est un taureau efker, un taureau errant, qui encore mon taureau qui le tue, eh ben, le taureau aussi, il ne m'appartient pas. Si quelqu'un vient une seconde après et saisit le taureau, eh ben, le taureau appartient à cette deuxième personne et pas à l'endommagé. Parce qu'au moment où le dommage a eu lieu, il n'y a personne qui est devenu chayav envers moi. Il n'y a personne qui m'était redevable d'un remboursement. Et le taureau, il ne devait rien, parce qu'il n'a pas de propriétaire. Voilà. Ça, c'est le troisième cas de Nechassim Amiyuchadim. L'autre cas, il est assez simple, c'est le cas du Hekdesh. Selon le Bartanor, on parle que un taureau Hekdesh, une seconde, il est là. Ok, oui, le Bartanor explique comme ça. Mon taureau, encore un taureau du Hekdesh, je ne suis pas taureau de rembourser le Hekdesh. Le Hekdesh, c'est tout ce qui appartient au Beth Amikdash. D'accord?
Je suis pas tour de rembourser au Beth Amikdash si j'ai causé un dommage. Le Rambam explique qu'on parle en fait du cas où j'avais moi un taureau qui était un corban, un sacrifice que je devais apporter au Beth Amikdash, et que ce taureau-là, il s'est excité, il est parti encore né. Ben, malgré tout, le taureau est pas tour de payer. D'accord? C'est les deux cas. Le troisième cas maintenant, ouais, faut s'y définir. On a dit dans la Mishnah, on appelle ça Nefasim Shein Ben Meila. C'est une manière de définir le Hekdesh, un bien qui n'appartient pas au Hekdesh. Le Issur Meila, c'est quoi le Issur Meila? Issur Meila, c'est faire un sacrilège. Tout ce qui appartient au Hekdesh, je n'ai pas le droit d'en profiter. Si j'en profite, ça s'appelle que j'ai fait un sacrilège. J'ai l'obligation de rembourser, de rajouter un cinquième, le cinquième du prix, et en plus de ça, d'apporter un korban Hasham Meilot. D'accord? Donc finalement, dire Nechassim She'en Ba'em Meila, c'est la Mishnah nous enseigne. Je suis chayav de payer que si c'est un bien She'en Bo Meila, où je ne transgresse pas avec un tel bien l'interdit de Meila. C'est une manière de définir un bien qui appartient au Hekdesh ou au Ediot, au commun des hommes. Le cas du milieu, donc le troisième cas maintenant qu'on doit expliquer, c'est Nechassim She'el Bene Berit. Je ne suis chayav de payer que si mon bien cause un dommage à un bien d'un juif et pas à un bien d'un goy. Vous allez me dire, waouh, qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors déjà, je voudrais préciser, c'est un cas assez délicat. Malheureusement, pendant des générations, il y a eu des pogroms et des sréfat à Talmud, ils brûlaient le Talmud sur la place de Paris et de partout, à cause de ces types de halakhot. Mais il n'y a rien de raciste dans ça, et je vais vous expliquer tout simplement l'idée. D'abord, premièrement, il y a une erreur très fréquente. Chez beaucoup de gens, je ne sais pas d'où ils ont tiré ces halakhot, de croire qu'on a le droit de voler un goyur. La Torah est explicite, la Gemara est explicite, dans Shulchan Aruch, c'est explicite, dans Hilchot Gneva, je suppose, c'est Manchin Samer, quelque chose comme ça, dans Shulchan Mishpat, on n'a pas le droit de voler un goy, c'est certain, c'est interdit de voler à un goy. Je ne sais pas comment on a réussi à développer des idées nationalistes comme ça, de se faire la caisse, de prendre l'argent d'un goy. Il n'y a aucune permission de voler un goy. Il y a une seule particularité dans notre rapport, dans notre rapport d'argent avec le goy, c'est qu'on juge le goy de deux manières, selon le jugement juif et selon le jugement goy. Concrètement, les goyims n'entretiennent pas le rapport avec leur taureaux ou leurs animaux qui causent des dommages, de la même manière que nous, les juifs, que la Torah nous enseigne qu'il faut le faire. On va se retrouver, soit ils vont prendre l'animal et transformer en un homme, et dans ce cas-là, ils vont faire hériter un chien des millions de son propriétaire qui est mort, son enfant. Ouais. Ou des fois, ils vont dire, non, mais Pétom, à l'époque, pire que ça, le Meiri rapporte qu'à l'époque de la Torah, les goyim ne rendaient pas tour. Moi, je n'étais pas causé un dommage, c'est mon taureau qui est parti de causer un dommage, donc de me demander à lui, je ne sais pas. Il s'est esquivé comme ça. Donc de ce fait, la Torah a rendu pas tour le bien du juif qui cause un dommage à un bien de goy. Parce qu'on va lui dire, tu sais quoi, selon toi, un taureau ne doit pas payer, donc moi je ne te paye pas. Par contre, quand le goy nous cause un dommage, on lui dit, tu sais quoi, tu dois nous payer, parce que selon nous, le taureau, il est chayav de payer. L'idée est claire. Dans la Gemara, il y a effectivement apporté une notion un petit peu différente. C'est que, étant donné que la Torah n'a pas... Hachem est parti proposer la Torah à tous les peuples. Et, comme le Midrash nous l'enseigne, au Bnei Edom, Bnei Ishmael, et peut-être même à plus, et qu'ils ont tous refusé la Torah, Hachem leur a fait un knas, vous savez quoi? Quand vous aurez un dommage, mes enfants, les Bnei Israël, ne payeront pas les dommages envers vous. C'est possible que les deux raisons se rejoignent, mais on ne va pas rentrer dans trop de détails. L'idée, en tout cas, elle est là. C'est bien expliqué, je pense. Donc, c'est ce que la Metziata nous enseigne. Nechassim She'en Ba'em Meila. La Mishnah vient nous dire, sache que tu es chayav de payer que les Nechassim She'en Ba'em Meila, les biens où il n'y a pas dedans de Meila, donc de sacrilège, donc les biens qui n'appartiennent pas au Hekdesh. Nechassim She'al Bnei Brit, les Nechassim de Juifs, Juifs entre Juifs, et pas envers Goy. Nechassim Amyochadim, les biens qui ont un propriétaire, pour exclure donc les biens qui sont du FKR, un taureau errant, comme on l'a défini. Et la Seifa de la Mishnah nous enseigne maintenant le lieu. L'idée est très simple. C'est en fait des règles de priorité, tout simplement. Là où j'ai le droit d'être, où mon taureau a le droit d'être,
Alors on ne va pas lui dire pourquoi mon taureau a causé un dommage, il avait le droit d'être. Parce que peut-être que toi, tu étais fautif. Il ne fallait pas que tu laisses ton bien traîner. Donc finalement, mon taureau qui a causé un dommage, c'est toi le fautif qui t'a laissé traîner ton bien là où mon taureau. Alors c'est un rapport en fait de force, de priorité, vraiment comme en code de la route. Des fois, la priorité, elle va être comme ça, des fois, elle va être comme ça. De manière générale, on va prendre que par exemple dans le Rechut Arabim, Chaner égale, on n'est pas tour. Si tu laisses tes pommes dans le Rechut Arabim, sur la voie publique, et mon taureau vient et les mange, je ne serai pas tour de te payer. Pourquoi? C'est simple, mon taureau, il a le droit de marcher. Toi, est-ce que tu as le droit de peser les fruits? C'est finalement pas tellement de problème. Dans la mesure où tu sais qu'il y a des taureaux qui traînent, tu dois faire attention à te protéger toi. Par contre, si mon taureau, alors la Mishnah maintenant va nous enseigner, par contre, si, à plus forte raison, si tu viens d'abord et tu mets tes pommes dans mon khatser, ou bien tu le fais même rentrer ton taureau pour 5 minutes dans mon khatser, et mon taureau aujourd'hui il était enragé, il est parti, il l'a esquinté, ben, je ne suis pas tour de payer, il ne fallait pas le mettre dedans. C'est ce que la Mishnah nous dit. Si le taureau ou le misak, l'endommagé, rentre dans le domaine du mazik, de l'endommageur, et donc on n'est pas tour de payer, c'est pas un endroit où on est capable de payer. Rochut anizak vers mazik, idem aussi, si c'est un bien qui sont une copropriété, une cour qui appartient aux deux, au nizak et à mazik, alors là, on va considérer cette cour comme un rechut arabim. Et dans ce cas-là, si tu laisses tes fruits et que mon taureau les mange, je ne suis pas tour de payer. Par contre, tu as le droit aussi, toi aussi de mettre ton taureau, et mon taureau n'est pas censé lui rentrer dedans. Si mon taureau va, il encore, alors je serai capable de payer autant que dans le chutra. C'est clair. Et la dernière partie de la Mishnah, là, la petite phrase, c'est une répétition en fait de la fin de la Mishnah Aleph. Quand il y a un dommage, le mazik, l'endommageur, doit rembourser l'endommagé, tachlomenezek, bemeitavaretz, du meilleur de ses terres, comme on l'a pris hier, ça. Qu'il faut payer en bien, si on veut payer en bien immobilier, il faut le payer avec le meilleur des terres, comme on a expliqué qu'il y avait trois sortes de terres. On fait très rapidement le Barthénois, Bezrat Hashem. Kol shirafti bishmirato, kol davar shini trayavti le shomro, toute chose que je suis trayav de surveiller, irshanti et nizko, imlo shamartiv karaoui vehizik, si je ne l'ai pas bien gardé et qu'il est parti causer un dommage, anihu shirshanti, vezimanti oto ezek, je suis moi porté responsable d'avoir provoquer ce dommage, vani chayav alav, et donc je suis chayav de le rembourser. Kigon amosar shoro lechirash de katan chayav, cas particulier. Par exemple, si j'ai transmis mon taureau à garder à un chirash de katan, je lui dis 2 minutes, je rentre acheter du pain. Garde mon taureau, mais lui il était là. D'accord, chirash de katan. Donc, ça s'appelle pas garder, il est dans la lune, ce monsieur. D'accord, donc je suis chayav de payer parce que c'est moi le responsable. Shala vayamutal shmirat shoro, vare lo shamro karaoui lo. C'était lui, c'était moi qui devais le surveiller, comme il se devait, et le donner à un cheresh, je vais traduire le mot, cheresh, un sourd, choté c'est un fou, et katan c'est un petit enfant, c'est pas des gens responsables, non je suis pas devenu. Irshat bemixat nisko, choti betesh nomenisko, kirshat kon nisko. Im, tikamti, bezimanti, bemixat anezek, si moi j'ai même rajouté un tout petit peu dans le mazik, dans le potentiel de l'endommageur, le puits par exemple, avalpi shelo zimantiv betikantiet kulo, même si c'est pas moi qui l'ai entièrement fait, nitrayavti alav kelu zimantiv kulo, je suis responsable comme si c'était moi qui l'avais fait entièrement. Et dans ce sens, on explique ce qu'on a dit à l'oral, qui gonne à refaire bon qui chère de tout arabim ou batri en vichim mola sara. Par exemple, quelqu'un qui creuse un puits de 9 tachim birchut arabim. Ou batri en vichim mola sara, quelqu'un vient et rajouter le petit dixième, venafal shamashor ou hamor, vemet. Un taureau ou un âne est venu et tombé dans et mort. Acharon chayav, c'est le dernier qui est chayav. Afapi shelo tiken et la mixatan ezek, même si ce dernier n'a fait qu'un tout petit peu du nezek qu'il a fait. Keilo asakon nezek, on le rend chayav comme ce qu'il a fait. Tout nezek est vendé petit chat et kamita. Étant donné qu'un banc de un puits de 9 tachim n'est pas apte à tuer. Nechassim shen ben meila. Va laisser nechassim. Alors le Barthénois il nous explique quoi, le Barthénois il a l'art de nous faire. La Mishnah supprime souvent le sujet ou des fois le complément. Donc le Barthénois va toujours venir, c'est comme Rashi, il vient et il nous recadre la phrase en rajoutant des mots avant et des mots après pour nous permettre de la lire le Mishnah. Alors là, il nous met la petite phrase de transition qui manquait. Et à quel type de nechassim, quelle sorte de bien je suis chayav de rembourser si j'ai causé un dommage, si c'est un bien que je ne suis pas, où il n'y a pas de temps d'interdit de meila, de sacrilège. Comme par exemple les biens qui n'appartiennent pas au Hegdesh, que si j'ai causé un dommage à un bien qui appartient au Hegdesh, je ne suis pas tour de le rembourser.
Dirtiv, Shor Rehu Velo Shor Shel Hekdesh, comme le passage nous le dit, Shor Rehu Velo Shor Shel Hekdesh. Le taureau de son prochain et pas le taureau du Hekdesh. Vehu Adin Lechol Shar Nezikim. D'accord, ça marche. On avance. Nersim Shel Mishem Shel Nemerit, Shem Mizik Nersim Shel Nochi Patour. Comme ce qu'on a expliqué, que si on a causé un hommage à un taureau d'un goy, je ne suis pas taureau de payer. Nechassim Amiuchadim, Sheyesh Laem Be'alim Meyuchadim. Des biens qui ont un propriétaire défini. Chez Mizik Nechassim Shel Efker Patour. Par contre, si j'ai causé un dommage à un Nezek, à un taureau qui appartient au Efker, je ne suis pas tour. Vous verrez si vous voulez, le Tosot Yom Tov, vous ne l'avez pas imprimé dans 5 minutes, éternel. Mais dans le Tosot Yom Tov, on explique, non, il ne faut pas expliquer qu'on parle de l'endommagé, mais plutôt du taureau endommageur, tout ce qu'on expliquait tout à l'heure. Routz Mirchut Amiuchedet Lamazik. Alors là, c'est la Seifa de la Mishnah qui nous explique le lieu, dans quel endroit je suis chayav de payer. Routz Mirchut Amiuchedet Lamazik, le Kholin comme chez Iziku, Nechassav. Dans tous les endroits où mon taureau cause un dommage, ou mon animal, mon bien cause un dommage, je suis chayav de rembourser mon l'endommagé. Sauf si c'est lui qui est entré chez moi. Par erreur, Violette avec sa petite clochette est rentrée dans ma cour et mon taureau l'a vu et pac, un petit coup de corne. Veziko Shor Amazik et le Shor Amazik lui est rentré dans Patour. Derman et Torcha Birchuti, Maïbae, ton taureau dans mon Rechut. Torcha, taureau, c'est intéressant, ouais. On a ramené un taureau, ça dit taureau. Torcha Birchuti, Maïbae, ton taureau dans mon domaine, qu'est-ce qu'il fait là? Vedapta Chizikun et Chassav, Aval Hamazik Atzmo, Shechaval Bechavero, Avalbi, Shewomad Birchuto, Chayav. Attention, oh. Attention, si quelqu'un rentre chez vous, même par effraction. C'est pas un voleur, il vient pas la nuit, il n'y a pas de crainte qu'il vienne de lui vous tuer, d'accord? On va pas se permettre d'aller le tuer et de dire « Ah, je sais quoi, qu'est-ce que tu fais chez moi ?» Ça c'est sûr que non. Bartenora nous explique, attention, « Dafkak chez Iziku, Nechassav » uniquement quand ses biens ont causé un dommage. « Aval ha-mazik atzmo, shechaval b'chavero » Par contre, si c'est le mazik, c'est moi, moi l'homme, le propriétaire de la maison, qui est parti et qui a causé un dommage à mon prochain, que ce soit lui-même ou même que ce soit son animal qui est rentré et que je lui tirais dedans, ça va pas la tête. Afalpi shomed birchuto, même s'il est rentré chez moi, je suis chayav de l'embourser. D'amarle un nerbal, parce que le nerbal, celui qui a subi la chavala, le dommage, il va me dire, nei deitlach reshuta la fouki. C'est vrai que tu as le droit de me sortir, enfin de m'attraper par l'oreille et de sortir dehors. Aval le azuke, netlach reshuta, mais me causer un dommage qui t'a permis. T'allais me tirer. Bon, si l'oreille elle est partie pendant que je l'ai tiré. Alors je suis pas tour sur l'oreille, mais il fallait me pousser dehors, mais tu n'avais pas le droit de prendre un bâton et de commencer à mettre des coups pour rien. Bon, Shutan Isaac va Mazik. Là, donc ça c'est le domaine qui appartient aux deux. Alors Patron nous explique, attention. Shutan Yuchedet l'Anisak la Mazik. Un domaine qui appartient au Nisak et au Mazik, que Gon Khatser Shalchnem, comme par exemple une cour qui appartient aux deux. Vehizik, Shoro, Shaechad, Mehem, Beota Khatser, Beshen, Regel Patour. Si un des deux taureaux a causé un dommage, Beshen de Regel, avec la dent ou avec le pied. Comme on a expliqué hier, c'était les Arba Vatnezikin, il a mangé les fruits ou bien il a piétiné sans faire exprès, il n'est pas tour de payer parce que mon taureau avait le droit d'être là, donc il fallait faire attention des fruits. Behu, Shetiye, Ota Khatser, Miyuchedet, Lashvarim, Gamken. Attention, on parle d'une cour où on avait le droit aussi de faire entrer les taureaux. Par contre, si c'était sur le parvis, ouais, dans la cage d'escalier, on n'avait pas le droit de faire entrer les taureaux là-bas. Alors dans ce cas-là, s'il a laissé ses fruits que mon taureau est parti les écraser, là il va me dire pourquoi tu as pas surveillé ton taureau qui ne monte pas, et il faudra que je paye. C'est très logique. Aval imaita meyuchedet la perot velo la shvarim veizik beshet veregel chayav. Par contre, imaita meyuchedet la perot velo la shvarim. Par contre, si cette cour était meyuchedet pour les fruits, mais pas pour les shvarim, veizik beshet veregel chayav. Comme ce qu'on a expliqué, veizik bekeren bechol inyan chayav. Et si il a causé un dommage avec le Keren, en encore non, dans tous les cas on sera chayav, parce que même si j'ai le droit d'être là, toi aussi tu as le droit d'être là, et mon taureau n'est pas censé partir, s'exciter et encore né, donc s'il est encore né, je suis chayav de payer autant que dans le Shutarabim. Kol Tuv Sela et Shabbat Shalom.